Bonjour. Aujourd'hui, c'est jeudi au Conseil général et beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sont habillées en noir. Alors, je suis avec Adèle Holliday qui travaille au Conseil général, au bureau du Conseil général. Et Adèle, qu'est-ce que c'est ces Jeudis en noir? Oui, c'est une bonne question. Jeudis en noir, c'est un mouvement global et les personnes sont encouragées de porter noir chaque jeudi. Et c'est pour travailler et prier pour un monde sans violence et sans rape. Le viol. Sans le viol, partout tout le monde. Est-ce que ce mouvement, Adèle, prend de l'ampleur dans l'Église et à travers le monde, tu crois? Oui, je pense que oui. Dans l'Église unie, il y a les personnes qui prennent les photos chaque jeudi et mettent les photos dans les médias sociaux. Et aussi, les personnes posent des questions, qu'est-ce que c'est Jeudis en noir? Pourquoi est-ce que nous devons parler de la violence chaque jeudi? Pourquoi est-ce que c'est important? Donc, je pense que le mouvement, c'est plus grand dans l'Église unie et aussi partout dans le monde. Le conseil de l'Église mondiale, oui. ils ont mis une campagne, oui. Et ont relaunch la campagne. Relancer cette campagne, oui. Le conseil de l'Église mondiale, oui, ont relancé la campagne la mois passé. On peut utiliser ces choses comme ça. Un petit macaron, oui. Oui. Il y a beaucoup de matériel pour parler avec la violence. Pour participer à ce mouvement-là. Oui. Alors, si les gens veulent participer à ce mouvement-là, Jeudi en noir sur les médias sociaux, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Adèle. Bien sûr, et on peut utiliser le hashtag Jeudis en noir. Merveilleux, merveilleux. Alors, merci de nous suivre, merci d'être là, merci de vous intéresser au Conseil général et aux travaux de l'Église unie. On se revoit bientôt. Bye-bye. Merci beaucoup. Au revoir.